السلام عليكم اتمنى ان تكونوا بصحه وعافيه الان نبدا مع الجزء الاخير من تصحيح الفرض المحروس رقم واحد للسنه الاولى علوم رياضيه النموذج الاول استدراك فقط قبل ان نتابع تصحيح بقيه الاسئله ان السؤال الخامس في الجزء الثاني الجواب كان اس يساوي 13 على 3 وهذا خطا ونعتذر

x-1 0, x-4 0, x-4 0. C'est-à-dire, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Je résous chacune de ces inéquations, et je trouve ici x supérieur ou égal à 1, x supérieur ou égal à 4, x supérieur ou égal à moins 4. Je remarque que toutes les inégalités sont des inégalités supérieures ou égales. Supérieures ou égales, supérieures ou égales. Et toujours, j'ai au premier membre x. Alors, comment choisir la condition la plus forte Tout simplement, en cherchant le plus grand nombre à droite. Ici, nous avons 4 qui est le plus grand nombre. Alors, x est supérieur ou égal à 4. C'est la condition qui domine. Alors,

un élément de l'intervalle 4 plus l'infini. Soit x un élément de l'intervalle 4 plus l'infini. Alors, équivalent à quoi Donc on a la racine carrée de x moins 1 plus la racine carrée de x moins 4 égale racine carrée de x plus 4. Donc, je mets les deux au carré. Donc, ils sont égaux, bien sûr. Alors, donc ça, c'est équivalent à quoi va appliquer l'identité remarquable numéro 1 qui est a plus b le tout au carré. Alors, j'obtiens racine x moins 1 au carré, plus racine x moins 4 au carré, plus 2 fois racine carré de x moins 1, facteur de x moins 4, égale x, -1 plus 4 puisque simplifie simplifions la racine carrée avec l'exposant 2 vous savez la racine carrée avec 2 et ici la racine carrée avec 2 donc il ne reste quoi Donc cette expression est équivalente à x moins 1 plus x moins 4 il faut faire attention il faut faire attention si nous avons ici, la racine carrée est précédée par moins, je dois mettre les parenthèses. Donc, puisque la racine carrée est précédée par plus, c'est pas la peine de mettre des parenthèses. Plus, l'expression est dit, il faut faire attention, ne pas, ne pas oublier cette expression. Donc, deux racine carrée. Maintenant, je peux euh, développer cette expression. Bien sûr, donc est égal à x au carré. x fois moins 4 c'est moins 4. moins 1 fois x c'est moins x. moins 4 moins x c'est moins 5x. Donc j'ai fait les calculs mentalement. moins 1 fois moins 4 égale à plus 4. Égale x plus 4. Ça est équivalent à quoi Donc remarquez ici. Vous avez ici un x et ici vous avez un x. Donc vous pouvez vous dé débarrasser de ce x-là. Donc il vous reste quoi Il vous reste x moins 1, moins 4, c'est moins 5. Donc je déplace ce x-là qui est à droite, au deuxième membre, au premier membre de l'égalité. Donc il devient moins 4. Alors, plus... 2 racine carrée de x carré moins 5x plus 4 égale à quoi égal à 0. Donc, ça c'est équivalent à quoi équivalent à x moins 9 égale, pardon, x moins 4 plus euh, x moins 9 plus 2 racine carrée de x carré plus moins 5x plus 4 égale 0. Je pense que euh, de déplacer 4 au deuxième membre n'était pas très très utile, alors je déplace x moins 9, tout ce, ce terme-là, toute cette expression, au deuxième membre pour que je puisse euh, mettre les deux membres au carré. Donc, vous savez ce que je suis en train de, de dire. Alors, il devient 2 racines carrées de x carré moins 5x plus 4, plus 4 égale 9 moins 9, il devient 9, et x, il devient moins x. Puis, l'étape suivante, c'est de mettre les deux termes des deux membres au carré. Donc, ça devient 2 racines carrées. De x carré moins 5x plus 4 le tout au carré égale 9 moins x le tout au carré équivalent à ici 2 au carré ça vaut 4 et ici la racine carré se simplifie avec le carré donc il me reste x carré moins 5x plus 4 et ici j'obtiens en appliquant l'identité remarquable numéro 2, 9 au carré c'est euh, 41, non c'est pas 81, pardon, 81, moins 18x, puisque 2 fois 9 fois x c'est 18x moins 18x plus x au carré. Je simplifie en développant cette expression, j'obtiens 4x au carré, 4 fois moins 5 c'est moins. 20x plus 16 égale 81 moins 18x plus x carré. Je continue. Équivalent à. Donc je mets tous les membres, tous les termes euh, au premier membre et euh, je laisse un 0 au deuxième membre. Donc 4x carré moins x carré. Il devient 3x carré. Moins 20x carré plus, puisque on a moins 18x, quand je vais euh, déplacer ce terme-là au premier membre, il plus 18. Donc, on a moins 2x. On a fait l'erreur de la vidéo. Tout le 16 moins 81, c'est moins 65, égal à 0. Quand je calcule delta,

او اذا ظهر لنا تعميل بسيط اما هنا لا اظن ان احدى هذه الطرق التي ذكرت انها نافعه سوى اننا سنستعمل المميز دلتا لو ديسكريمينون دلتا لو ديسكريمينون دلتا تيقول لنا بي او كاري سيتادير موان دو كاري موان 4 فوا ا كي 3 فوا سي كي موان سوسونت 5 Donc le résultat avec une calculatrice scientifique j'obtiens que donc, avec une calculatrice scientifique j'obtiens que ce résultat est égal à 784 qui est égal sous forme d'un carré 28 au carré donc ce discriminant là il est positif strictement Il l'équation admet l'équation deux solutions donc x1 Égale, ou bien x égale moins b. On a b maintenant, donc là donc il y a à côté on a je nous c'est oui a égale à 3 b égale moins 2 ou c égale moins 65 alors x1 égale à moins b moins racine delta sur 2a ou x égale Moins b plus racine delta sur 2a. Alors, x égale moins b, c'est-à-dire 2, moins racine delta, c'est-à-dire moins 28. Tout divisé par 2 fois a, a égale à 3. Ou x égale 2 plus 28 divisé par 2 fois 3. Donc le résultat ici, x égale moins 26 sur 6 ou x égale 30 sur 6. Alors, x égale moins 13 sur 6 ou x égale 5. Donc comme vous voyez, comme Hidon, Khamsa, il est le plus l'infini. 4 plus l'infini. Mais moins 13 sur 6 n'appartient pas à l'intervalle. 4 plus l'infini. Donc, donc, S égale le singleton temps 5. Il y a un nahelwahid qui a un singleton. Voilà. Donc nous avons corrigé l'exercice numéro, numéro 5. Plutôt la question numéro 5. Passons maintenant à la question numéro 6. Qu'est-ce qu'elle dit cette question Si euh, nous avons déjà corrigé 6, alors on passe à 7. On passe à la question 7. Il dit quoi cette question Résoudre dans R. On résout. résoudre dans R l'inéquation suivante. L'inéquation. On résoudra dans R l'inéquation. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est une équation. Racine carrée de 3x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x supérieur ou égal à 2. Bon, alors, pour euh, corriger ou bien pour résoudre cette inéquation, on doit d'abord déterminer son domaine de définition, comme nous avons vu dans la question numéro 5. Alors, d égale à quoi Égale, x appartient à r, tel que les expressions algébrique qui sont sous la racine carrée doit être positif, c'est-à-dire 3x-1 doit être positif pour que l'inéquation soit définie, et 11-x doit être positif. En d'autres termes, donc l'étape suivante, x appartient à R tel que غادي حل هذه المتراجحة هذه نقوم بحل هذه المتراجحة وحل هذه المتراجحة هي متراجحة من الدرجة الأولى رأينا ذلك في الإعدادي والجدع المشترك سهلة وبسيطة إذاً إكس أكبر من أو يساوي واحد على ثلاثة أي وهنا نجد إكس أصغر من أو يساوي 11 إذاً d يساوي هنا عندنا شرطين متفاوتتين مختلفتين هنا استعملنا الرمز اكبر وهنا اصغر اذا هنا غيكون عندنا تأطير بما ان عندنا اي لو كان عندنا او غيكون عندنا اتحاد مجالين هنا عندنا اي دونك تقاطع مجالين وبما ان اكس عندنا اصغر ومرة اكبر اذا غيكون عندنا تأطير ديال اكس بمعنى أن المجال غيكون فيغمي بغني يعني المجال هو إكس أكبر من واحد على ثلاثة يعني المجال كيبدا بواحد على ثلاثة وكيبقى أصغر من 11 هكذا إذا هذا هو مجال تعريف المتراجحة إذا بعد ما حددنا مجموعة تعريف المتراجحة دومين دو ديفينيسيون دو لينيكواسيون ولا ما يصطلح عليه أيضا بصلاحية مجال صلاحية المتراجحة نبدأ الآن بحل هذه المتراجحة إذا نكتب أولا جذر ثلاثة إكس ناقص واحد ناقص جذر 11 ناقص إكس أكبر أو يساوي اثنان لاحظوا جيدا أن هذه المتفاوتة إذا أردنا أن نتخلص من الجذر المربع البعض قد يفكر في رفع هذا الطرف الأول أس 2 والطرف الثاني أس 2 وهذا غير صحيح لماذا لانه لسنا متاكدين بان هذا الطرف الاول موجب حتى نستطيع ان نرفعه اس اثنان اذا عرفوا بانه اذا كان عندنا ا آه اكبر من او يساوي بي فخاص يكون ا آه و لهما نفس الاشاره يعني موجبين او سالبين عاد نقدروا الرفع اس اثنان في حاله اذا كان ا و ب موجبين يعني ا و ب ينتميان الى اغ زائد مربع في هذه الحاله غنقدروا نقول بان ا اكبر من او يساوي ب تكافئ ا مربع اكبر من ب مربع اذا علينا هنا ان ننتبه اذا بالتالي لكي نتاكد من ان هذه العباره هذه اللي هي جذر 3 x ناقص 1 ناقص جذر مربع 11 ناقص x اكبر او يساوي 2 علينا ان نحاول تحويلها الى متفاوته يكون طرفها موجبا كيف ذلك عن طريق الطريقه التاليه وهو ان نقوم ب يعني ابعاد هذا الطرف الثاني هذا الفرق او هذا الحد الثاني اللي هو جذر 11 ناقص اكس غادي نديوه للطرف الثاني اذا تصبح تكافئ جذر 3 اكس ناقص 1 اكبر من او يساوي 2 زائد جذر 11 ناقص اكس اذا هنا في هذه المرحله يمكن لنا ان نرفع الطرفين مربع لماذا لان هذا التعبير الاول او الخمي مونبر إلي بوزيتيف وهذا لو دوزيام مونبر اي بوزيتيف بيسكو سي لا سوم دو دو بوزيتيف داكوغ اذا هذا موجب وهذا موجب نقدروا نرفعوا الطرفين اس 2 الان اذا تصبح 3 اكس ناقص 1 اكبر او يساوي هنا نرفع اس 2 نجد 4 زائد 2 في 2 يعني 4 جذر 11 ناقص اكس ثم زائد 11 ناقص اكس نقوم بتجميع الحدود سوى هذا الحد اللي فيه الجذر المربع هو اللي غنتركوه في الطرف الثاني وما ب... ما تبقى كله نجيبوه للطرف الاول عطينا 3 اكس زائد اكس ناقص واحد ديجا كاينه في الطرف الاول غنجيبو ناقص أربعة أربعة تولي ناقص أربعة و تولي ناقص حداش أكبر أو يساوي أربعة جذر 11 ناقص إكس هذا يكافئ ثلاثة إكس زائد إكس هي أربعة إكس ناقص واحد ناقص أربعة ناقص إحدى عشر هي ناقص ستة عشر أكبر أو يساوي أربعة جذر مربع إحدى عشر ناقص إكس طيب نتابع المرحلة الموالية نختزل بالعدد أربعة نعمل ونختزل بأربعة أتبقى عندنا إكس ناقص أربعة أكبر أو يساوي جذر 11 ناقص x طيب هنا في هذه المرحلة لا نستطيع كما قلنا وأشرنا إلى ذلك في السابق أن نرفع الطرفين مربع لماذا؟ لأن هذا العدد هذا لسنا متأكدين بأنه موجب إذا هنا يجب علينا أن ندرس الحالات إذا نقول C X ناقص 4 يعني عدد سالب أصغر أو يساوي صفر إذا هنا إس واحد والتي ستعتبر حلا مؤقتا تساوي المجموعة الفارغة لماذا؟ لأن السالب إذا كان هذا سالب لا يمكن أن يكون يعني يعني أكبر من عدد موجب هنا من الأفضل أن نستعمل أصغر قطعا ها؟ نستعمل هنا الرمز أصغر قطعا هكذا اذا اذا كان اكس ناقص أربعة اصغر قطعا من صفر فهذا يعني ان هذا العدد سالب والسالب لا يمكن ان يكون اكبر من عدد موجب لان هذا العدد هذا كيف ما قلنا فهو موجب وبالتالي اس واحد هي مجموعه فارغه تقاطع مجموعه تعريف المعادله واللي هي واحد على ثلاثة احدى عشر يعني اس واحد هي مجموعه فارغه الان نذهب إلى الشرط الثاني أو الحالة الثانية إذا كان x ناقص أربعة أكبر من أو يساوي صفر يعني أنه موجب إذا في هذه الحالة x ناقص أربعة أكبر من أو يساوي جذر إحدى عشر ناقص x يمكن أن نكتب تكافئ ونرفع الطرفين مربع لأن هذا موجب وهذا موجب إذا غتولي x مربع ناقص اثنان في إكس في أربعة هي ثمانية إكس زائد ستة عشر أكبر من أو يساوي أكبر من أو يساوي إحدى عشر ناقص إكس هذا يكافئ أن إكس مربع ناقص إكس عندما نقوم بتحويلها إلى الطرف الأول تصبح زائد إكس إذا تبقى ناقص سبعة إكس يعني ناقص ثمانية إكس زائد إكس ثم ستة عشر ناقص إحدى عشر هي زائد خمسة أكبر من أو يساوي صفر إذا هنا حصلنا على متراجحة من الدرجة الثانية الآن علينا أن ندرسها ونحدد طبيعة الحلول أو مجموعة الحلول هذه المتراجحة وطبيعة الحال عندما نجد هذه الحلول يجب ان تكون تحقق هذا الشرط الذي اشترطناه هو ان يكون اكس ناقص 4 اكبر من صفر هذا الشرط هذا اشنو تيعني تيعني بان اكس اكبر من 4 اذا بالتالي غادي نحسبوا دلتا اللي هو لو ديسكريمينو دلتا غنلقاوه يساوي ناقص 7 اس 2 يعني بي مربع ناقص 4 اس يعني في واحد اللي هو ا في سي اللي هو 5 النتيجة تسعة وأربعون ناقص عشرون هي تسعة وعشرون وهذا المميز فهو موجب قطعا وبالتالي غيكون عندنا إكس واحد يساوي ناقص بي يعني سبعة زائد جذر دلتا يعني جذر تسعة وعشرون على اثنان أ يعني اثنان هذه القيمة تقريبا تساوي ستة فاصلة واحد وإكس اثنان يساوي سبعة ناقص جذر مربع 29 على 2 تقريبا 0.8 اذا بعد ما لقينا هذ الحلين اذا سوف نلتجئ الى جدول اشاره ثلاثيه الحدود لكي نحدد مجموعه الحلول اذا هذا الجدول نرسمه بالشكل التالي زائد 5 وقلنا بان هذه المعادله او هذه الحدوديه لها جذرين الجذر الأول هو أه هو سبعة إذا بلون مغاير سبعة ناقص جذر تسعة وعشرون بطبيعة الحال أرتب الحلول وسبعة زائد جذر تسعة وعشرون على إثنان إذا قلنا بأن هذا العدد تقريبا ستة فاصلة سبعة زائد ستة فاصلة أه واحد يعني هو أصغر من أحدى عشر هذا العدد فهو 0.8 يعني أكبر من 1 على 3 الشرط الذي اشترطناه هو أن يكون x أكبر من 4 أين توجد 4؟ 4 توجد هنا أكيد أن هنا تنعدم الحدودية خارج الجدرين إشارة أ داخل الجدرين عكس إشارة أ إذن لكي تكون اس اثنان المؤقته ما هي اس اثنان هي تقاطع المجال أربعة زائد لا نهاية مع المجالين ناقص واحد على ثلاثة سبعة ناقص حيت هنا خاص يكون هذا التعبير موجب هذا التعبير موجب في مجالين واحد على ثلاثة سبعة ناقص جذر تسعود وعشرين اثنان وسبعة زائد جذر تسعود على اثنان عشر هكذا اتحاد سبعة زائد إحدى عشر هكذا هنا المجال مغلق ولو انه لن يؤثر وفي النهايه تقاطع الدي الدي هي مجموعه تعريف ال المتراجحة إذن هذا التعبير الأول أربعة زائد لا نهاية تقاطع هذا اتحاد المجالين يعطينا المجال سبعة زائد جذر تسعة وعشرون على اثنان 11 عشر تقاطع الدي يعني مجموعة تعريف المتراجحة والتي ستكون طبعا سبعة زائد جذر تسعة وعشرون لأن المجال هنا الدي هو واحد على ثلاثة إحدى عشر وهذا المجال الأول ضمن هذا المجال إذا التقاطع هو هذا المجال الأصغر من حيث الوسع ديالو أو من حيث عفوا الديامتر ديالو المهم اذا اس كبيره الخلاصه اس كبيره هي اس واحد اتحاد اس اثنان يعني هي المجال اس واحد قلنا مجموعه فارغه فارغة اس اثنان سبعة زائد جذر تسعود وسبعين على اثنان نقطة فاصلة احد عشر اذا هذا هو جواب السؤال رقم سبعة ننتقل معكم الان الى السؤال رقم ثمانية السؤال رقم ثمانية Elle que montrer que elle a une équivalence pour tout C... appartient à R à la puissance 3, la valeur absolue de B inférieure strictement à C, et la valeur absolue de A inférieure strictement à C. La valeur absolue de A plus B sur 2 plus la valeur absolue de A moins P sur 2 inférieur ou égal à C. Inférieur strictement à C. Alors, elle a une équivalence. Mais quest a une équivalence qui est double implication. C'est une double de l'eau là. Il y en a de l'implication. fait le touma, nous marchions, de l'après, ils ont l'implication tertiaire, d'accord? Evidemment, on marchions avec l'implication la première, c'est-à-dire de que b a plus b à la juge zaid, la valeur absolue de b inférieure à c et la valeur absolue de a inférieure à c, donc fait b a plus b à la juge plus a moins b à la juge en valeur absolue, leur somme est inférieure strictement à c. الوغ اذا هنا غادي نمشيو آه بيان سور نبينو هاد لي نيغاليتي الثانيه اعتمادا على هاد لا سيكسيون الاولى يعني غنبينو هاد لي هادي كيف ذلك اذا غادي نبداو نكتبو ا بلس بي على جوج بلس ا موان بي على جوج شنو هما الامكانيات الممكنة يعني شنا هما الكتابات الممكنة لهذا التعبير إذا تنعرفوا بأن غير يمكن يكون عندنا أ بلوس ب يعني أ أو نا حنا بغينا نبينو هاد لا كيستيون هادي دونك أو نا أ ب على جوج

غادي نجمعوا هذا التعبير الاول مع هذا او الاول مع يعني تشوفوا معايا إلى اعتبرنا ا بلس بي على جوج اون فالور ابسوليو هو تعبير رقم واحد ا بلس بي على جوج اون فالور ابسوليو اللي كتساوي ناقص ا ناقص بي على جوج هو تعبير الثاني وهكذا ثالث ثم الرابع يعني عندنا ربعه ديال المتساويات غادي نجمعوا المتساويه الاولى مع المتساويه الثالثه لاحظوا دونك اونا. la valeur absolue de a plus b sur 2 plus la valeur absolue de a moins b sur 2 اش غتساوي لينا غتساوي يعني المتساوية قلت الأولى زائد المتساوية الثالثة زائد a moins b sur 2 اللي غتساوي لاحظوا بعد أن أجمع ستساوي a سي بون bon? إذن هذه راه كتساوي علاش لأن هنا

2 plus moins A plus B divisé par 2. Donc le résultat sera égal à B. Ou, troisième cas, l'équation numéro 2 plus l'équation numéro 3. Et on a, a plus B sur 2 plus A moins B sur 2. Sera égal à A moins A moins B sur 2 plus A moins B sur 2. Donc sera égal à quoi Égal à moins B. Et la dernière somme rendira euh, troisième, deuxième égalité avec la quatrième égalité. Donc A plus B sur 2 plus a moins b sur 2 égale moins a moins b sur 2 plus a sur deux. moins a plus b sur 2 le résultat sur a moins 1 donc on sait que on sait que la valeur absolue de, de a, pardon, la valeur absolue de a est inférieure à c. alors, a est compris entre c et moins c. d'accord, et la valeur absolue de b est inférieur à c alors b est compris entre c et moins c. Idem, dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, la valeur absolue de a plus b sur 2 plus la valeur absolue de a moins b sur 2 est inférieure à quoi? L'a on a inférieur à c et b inférieur à c a moins b il sera inférieur à c ou moins a il sera inférieur à c et dans tous les cas a plus b sur 2 en valeur absolue plus a moins b sur 2 en valeur absolue inférieure strictement à c. Ensuite la deuxième implication à mon avis, c'est la plus simple. Et renbi n'a a plus b sur 2 en valeur absolue plus la valeur absolue de A moins B sur 2 inférieure à C. Est-ce qu'il implique que la valeur absolue de A est inférieure à C et la valeur absolue de B inférieure strictement à C? Alors, ici, je vais utiliser ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors, on a A en général, A plus B en valeur absolue est inférieur en valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. C'est l'inégalité, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire. Alors, euh, je vais exploiter cette inégalité pour passer de ce terme-là à ce terme-là, c'est-à-dire de cette assertion à celle-là. Bon, tout simplement, puisque la somme est supérieure à la valeur absolue de a plus b, alors, quand même a, ou b, donc, اذا غتولي عندنا لا فالور ابسوليو لا فالور دو ا بي 2 لا فالور 2 a C. Quoi. يعني ان هذا المجموع كبر من مجموع القيمتين المطلقتين اكبر من مجموعة ما بداخل قيمتيه إن انصح تعبيري اذا نتولي ا بلس بي sur 2 بلس ا ماين بي sur 2 انفيرير اصي و نقدروا ناخذ هنا لوبوزي كيش مشكل ا بلس بي sur 2 بلس لوبوزي هنا هو ماين ا lus b sur 2 inférieur à c حسب ما شفنا في لينيغاليتي نيزيتي سا امبليك كو هنا لدرنا لا سوم ا inférieur à c وهنا لدينا درنا لا سوم بي 2 بي على بي يعني بي inférieur strictement à c كاينه تقنيه اخرى وهي نبدا نبدا ب Euh, a, on dit que A égale la valeur absolue de A, alors que c'est oui, la valeur absolue de A plus B sur 2, plus A moins B sur 2. Ou bien, il y a des deuxièmes méthodes. Donc, on l'identité euh, l'inégalité triangulaire, pardon, c'est inférieur ou égal, oui, strictement, sont stricts chez Mouchkil. inférieur strictement la valeur absolue de A plus B sur 2 plus la valeur absolue de A moins B sur 2. Et cela est inférieur à, à, euh, à C. Donc A. D'où A est inférieur à C. Et on a la valeur absolue de B est égale à A plus B sur 2 plus moins A plus B sur 2. Ça c'est égal, ça est égal ou euh, bien inférieur, strictement d'après l'inégalité triangulaire, à A plus B sur 2 plus. La valeur absolue, la valeur absolue des deux nombres opposés est la même. Donc, je change le signe, ce n'est pas un Donc, ou bien d'où la valeur absolue de B est inférieure à C. Donc, nous finissons par faire la règle du 2. On se revoit dans une autre vidéo pour voir la règle du 3.